faut éviter de léser les régions que nous représentons. The Greens Group. Merci. Pour les Verts, Monsieur Beauvais. 1.5 minutes. 1 minute 30. Monsieur le Président, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le Commissaire à l'Agriculture, les aides aujourd'hui qui sont proposées, 420 millions d'euros pour le lait, ça représente moins de 3 centimes par litre de lait, alors que la baisse pour les producteurs est entre 20 et 30 centimes pour 100 dans chaque pays. Proposer aujourd'hui le stockage, c'est revenir aux politiques des années 70 avec des monceaux de beurre et des monceaux de viande dans les frigos. Enfin, vouloir faire de l'exportation alors qu'on va exporter dans des pays où les coûts de production sont encore moins chers, c'est irresponsable et d'ailleurs ces pays ont réduit déjà leurs importations. Alors, j'ai envie de vous dire aujourd'hui que cette mesure ne répond absolument à rien. Les producteurs veulent aujourd'hui des prix qui couvrent leurs coûts de production. Les producteurs veulent aujourd'hui des outils de maîtrise de production afin de réguler l'offre et la demande. Il faut aussi aujourd'hui sortir de cette logique irresponsable qui est de croire que l'ouverture des marchés va être une solution. Alors aujourd'hui, j'ai honte. J'ai honte des ministres de l'Agriculture qui ont signé cet accord. J'ai honte de la Commission européenne qui continue cette politique et je trouve inacceptable qu'on traite les paysans de cette façon alors qu'aujourd'hui, c'est le secteur où il y a le plus grand nombre de suicides. Aujourd'hui, je trouve ça inacceptable. Et je déchire donc ce document irresponsable. Poubelle. Thank you. Merci. Au nom du groupe EFDD, Monsieur Agnew. 2.5 minutes. Take a floor, please. Well, I'm not going to be tearing anything up. Mais moi, je ne vais pas déchirer.